Bonjour à tous, c'est le direct de la place du village aujourd'hui depuis Manigo en direct live, il est à peu près 16h. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de neige sur la route de la Croix-Frie. Regardez le chasse-neige qui passe à l'instant ici, Manigo, comme si vous y étiez. Et ben voilà, regardez-moi ça. Avec la route qui descend sur Thônes, nous sommes à 6 km de Thônes, Manigo, une station, enfin un village surtout, avec beaucoup de hameaux, et puis surtout des stations bien connues, Manigo, et tempête de neige actuellement, attention sur les routes, voyez l'état des lieux, ben c'est pas compliqué. Salut Manu, qui est du côté peut-être de la Lorraine, je sais pas exactement, bonjour à Thierry qui nous rejoint. Regardez, en direct depuis Manigo, nous sommes au cœur des Aravis, une tempête extraordinaire de neige ici sur la route. Nous sommes même arrêtés pour, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de neige, voilà. Et je suis au pied de l'église, enfin devant l'église. La tempête qui souffle extrêmement fortement ici, bah écoutez, c'est du live. C'est la montagne, tout simplement, en direct depuis la place du village, comme vous l'aimez, cette montagne. Eh bien, une belle tempête de neige actuellement. Donc, soyez prudents, vous êtes très nombreux à nous rejoindre sur le réseau. La place du village, c'est tous les jours ce moment en live. En direct sur cette page, n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui se passe plus bas. On a fait plein d'interviews de gens formidables. Eh bien, c'est la tempête de neige la plus totale ici en direct depuis Manigo, la Haute-Savoie, les Aravis. Avec les bois de sapin de Noël ici, et ce temps absolument incroyable ici. C'est assez remarquable de vous faire vivre cette tempête de neige ici. Ça vient de commencer il n'y a pas très longtemps. Et ça continue. Bonjour à ceux qui nous rejoignent bien sûr sur le réseau. C'est assez impressionnant, je vais vous dire. Et il y a peu de circulation. Et c'est vrai qu'il faut faire attention sur les routes. Hein, je vous le dis tout de suite. Si c'est le cas, si vous devez monter en station, particulier maintenant, soyez assez vigilants. La place du village en direct pour vous. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude au cœur des Alpes. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre pour ce direct entre Noël et le jour de l'an. D'abord, je vous souhaite déjà, évidemment, bon réveillon. Hein, et puis, peut-être passer un bon Noël également. Voyez la route ici, on a vu des gens qui chaînent à l'instant et c'est difficile. Il faut être équipé et je vous le recommande vraiment. Voilà, je vais me déplacer ici dans la tempête de neige ici. On voit vraiment, c'est énorme ce qui tombe ici. Hein. C'est une grosse chute de neige. On en voit tant dans l'hiver. Là, ça c'est impressionnant. Et voici l'église de Manigo à mes côtés. Tiens, ça tourne un petit peu. Voilà, écoutez, restez au chaud. Restez au chaud et je vous montre la neige qui tombe ici en direct depuis Manigo, le pays de Marc Vérac. Vous connaissez le grand cuisinier, mais il y a aussi plein de petits producteurs ici, de bons reblochons à Manigo. Allez, c'est où cette montagne? Enfin, cette église, pardon. Avec le panneau La Clusaz. Col de Croix-Frie, la Croix-Frie, mer d'acier, c'est plus haut. On s'est arrêté pour tout vous dire, parce que ça tombe tellement fort ici. Eh ben, ça pose, comme on dit dans la région. Ça en a mis quelques centimètres déjà, et c'est pas fini. Je crois savoir que ça va tomber encore dru dans les heures qui viennent. Eh ben, c'est la montagne. Regardez comme c'est beau. Là, je vous l'offre. Tempête de neige qui tombe ici sur les Alpes du Nord depuis maintenant. Alors ça fait bien une heure que ça a commencé. Regardez, ici, on la voit la neige ici, hop, sur la rampe, elle vient de poser ici. Même vu des gens qui viennent de chaîner ici, qui sont arrêtés, qui vont repartir. En tout cas, on leur souhaite. Eh ben breu, comme d'une divette, pas chaud, hein, mais c'est ça qui est bien. C'est que la montagne, c'est quand ça fait mauvais dehors, que ça fait bon dedans. Ça on y aime, comme dirait Jean-Michel Mattei, notre humoriste savoyard, d'ailleurs qu'on salue au passage. Il y a la route qui monte au cœur de Manigo, la Haute-Savoie, les Aravis. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors chez nous, ça couche, nous dit Sylvie. Bah écoutez, il y a chacun son jargon. Vous voyez, on a même des pneus ici, c'est des chaînes, on entend le bruit des chaînes. Sur la route de Manigo, là on descend du côté de Thônes. Et quand on part par là-bas, on monte du côté de la Croix-Frie, bien sûr. Derrière, c'est la Clusaz, voilà. La neige continue de tomber, ça va tomber assez fortement pendant au moins tout l'après-midi, peut-être même toute la nuit. Et là, il y a un concert, tiens, à l'église, ce jeudi, à 18h, nous dit l'association Campanelli, sur l'affiche que l'on voit ici, alors que l'écran se brouille un peu par la neige qui tombe. Donc des vacanciers sont en train de passer ici. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais rentrer au chaud. Et puis là, soit un petit vin chaud, allez, une petite gnôle éventuellement. Eh ben voilà, n'hésitez pas, ça se passe comme ça ici, dans la montagne, au cœur des stations, avec prudence encore. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous éventuellement. 1000 mètres, Manigo, la neige tombe, et il y a juste la mairie en face, on voit ici, l'office du tourisme par là. Et puis il y a aussi un bon boulanger, tiens je vous le montre ici, n'hésitez pas. La boulangerie Manigo est ici, regardez, hop, par là. Eh bien, bonjour à ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont regardés en direct. On essaiera de refaire des directs dans la montagne durant cet hiver. Il y a enneigé, il y a beaucoup de neige, il faut venir faire un tour par ici. Et puis, il faut faire comme nous, prendre un vin chaud. Allez, le sapin qui vient de s'allumer. Eh bien, je vous offre ça et je vous souhaite déjà un bon réveillon. La place du village,
Tous les jours, Mont Blanc Live, ça se passe à midi, à 9h du matin, à 17h, à 18h, pardon, 20h30 et 23h. Et puis, il y a la page Facebook, la place du village, vous avez plein d'informations, regardez-moi ça. Et voilà, et elle n'est pas dans la neige. Manigo, regardez-moi ça. Hop là. Ah, c'est sympa quand même, franchement. Et bien voilà, la montagne comme on l'aime, la montagne qu'on contemple, la montagne que l'on peut pratiquer, bien sûr, à faire du ski de fond, à faire de la rando, faire tout ce qu'on veut. La montagne qu'on peut regarder comme ça, en famille ou entre amis. C'est tellement sympa. Et il neige également, on vous dit, à Combloux, ça neige un peu partout, j'imagine. Eh bien, ça, c'est bien. C'est le cœur de l'hiver. Il faut bien en profiter. Et voilà, la neige a recouvert tout le parking ici de l'église, que l'on voit encore ici, de Manigo. J'étais au pied de l'église de Manigo. Écoutez, on va vous souhaiter une très belle fin d'année. Profitez bien, préparez le réveillon, faites les fous, sans modération. Soyez quand même prudents sur les routes, n'hésitez pas. Et puis, vivez la montagne. La montagne, ça nous gagne. Ben, la montagne, ça vous gagne aussi, avec du vent qui se lève en jaune. Voilà. Ben écoutez, ça se passe comme ça. Et magnifique, bien au chaud. Les gens de l'office du tourisme ou de la mairie en face. Et puis le vent qui est fort ici. Et ben voilà. Allez, je vous souhaite une fois de plus la place du village. Je vous souhaite un bon réveillon. Et puis on revient bien sûr au show MB Live. C'est deux sur le canapé, la montagne. Pour les vacanciers qui ne connaissent pas forcément, vous la découvrez en hélicoptère, depuis la télévision, donc depuis chez vous. N'hésitez pas, sortez, pratiquez, vivez la montagne. Allez, on voit ici, il y a des petits chiens ici avec qui se promènent. La route qui descend ici sur Thône. Manigo. Ah, c'est beau Manigo. Le Sulins, pas loin la chaîne des Arts à Ville, les grandes stations de la Clusaz, le Grand Bornand. Et bien sûr, la Coupe du Monde de ski il n'y a pas longtemps. Le Tour de France qui passe par ici aussi. Les montagnes sont belles. C'est où? C'est à Manigo, nous dit Mankate. Manigo, c'est dans la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord, c'est bien sûr la France. C'est un joli petit village à vivre, tranquillement. Regardez comme c'est beau ici la route. Eh ben, j'ai pas chaud à la main gauche qui tient le smartphone pour tout vous dire. Et hop là! Et avec le vent, oula, c'est pas chaud, chaud, chaud. Et en plus, il fait sombre. On a le sentiment qu'il y a des gros nuages au-dessus de nous. Ces gros nuages, ça porte de la neige, ça va neiger une bonne partie de la soirée et de la nuit sur les Alpes. Soyez prudents, Harvey, je vous laisse. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour un direct ou pour la place du village. D'autres programmes, évidemment, sur MB Live TV. Regardez-moi ça, ce qu'on nous dit ici. Bonjour. Eh ben voilà. Harvey, pas.